Cédric, c'est moi. Fais gaffe, je frague. Je fais des headshots même quand je lag. J'ai pas de copine, je suis une kill machine. De toute façon, le sexe, c'est bien trop has-been. Cédric Frag. Même si ses pattes sont froides. L'équipe Cédric Frag. Il fait des latents. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Champac, de Notorious Jack et de Cryde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment ça va les gens? Salut, salut. Un nouvel épisode de Cirpure en vadrouille. Ça lag un peu quand même. Ça lag carrément. À mon avis, les wifi, ça bug un peu. Ou alors c'est peut-être tous les objets que j'ai largués juste avant. Je pense pas dans un terrain ouvert comme ça. Moi je pense que c'est les bruits elfiques. Ouais, dans une petite pièce, je veux bien que ça bug, mais pas dans un terrain ouvert comme ça. Bon, grande bruit elfique avec beaucoup de monde. Donc vous avez peut-être compris, mais c'est des bruits elfiques qu'on va visiter aujourd'hui. C'est un village. Petit effet. Dans les arbres. Un méchant. Il y a quelqu'un qui cherche la merde. Tu as tué ma copine nordique. Un bandit. Ah, qu'est-ce que tu dis? La première fois, j'en étais petite avec cette gueule. C'est vrai. C'était un Khajiit moche. Pourquoi as-tu pris le bourdin? Je l'ai pas pris. Ah d'accord. C'était point ici. Ça n'était point ici. Ah oui, c'est ça. C'est une carrette de chasseur ici. C'est une carrette de pain. Tout à fait. Garde de pain. Je suis pas au bon endroit. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Luc. Ah oui, oui, d'accord, ok. C'est plus vers là, en fait. Tout à fait. C'est quoi ce lag de ouf? Oh là là, ça lag. Ouais, il y a des lags des fois. T'es à zéro là. Ouais. C'est normal ça? Ouais, bah oui, c'est parce que forcément il détecte le nombre d'images par seconde qui passe, et puis bah de temps en temps quand ça bouge pas, bah y a pas d'images par seconde, forcément. Et les lags, c'est peut-être niveau espace aussi, non? Non, puisque je suis sur le disque du reste. Je pense pas que ce soit le mode. J'ai des maisons. Je pense vraiment que c'est tous les objets que j'ai largués, ça fait peut-être de la collision, et comme ça roule, tu sais. Mais ouais, ou alors c'est vraiment les bois elfiques, parce que là je m'en approche et comme je pense que c'est les bois elfiques. Je pense. Oh la cabane! Oh wow! Ah, c'est pas comme je pensais. C'est joli. Ouais, mais c'est pas comme je pensais. Par contre, comment on y accède? Et bah par là. Grimpe encore. Essaye encore. Désolé pour le lag, chers amis. Ouais, nous sommes désolés. C'est pas comme si nous le voulions. Ça, on le voit absolument pas. Des bois elfiques. Ouais! Ça a l'air toujours mieux que le paradis perdu. Des bois du lag! Ah, putain, il y a encore un ennemi par contre qui cherche la merde. Non, mais tu t'en fous de l'ennemi. Au pire, il viendra, tu lui exploses la tronche et puis. Pousse Roda, il tombe dans le ravin, il crève. Voilà. Par contre, là, je suis en plein de lag. Voilà, je peux monter ou pas? Ce serait bien quand même. Des bois du lag. Les bois du lag! Bienvenue dans les bois du lag, ouais. Voilà, il y a des. Ah, je vais peut-être attendre la journée déjà. C'est pas du méchant, mais le cache que t'as tué avait les mêmes fringues. Ah, serait-ce un camp de bandits? Normalement, c'est une ville elfique donc. Oh mon dieu! Les bois du lac. Bonjour! Alors, déjà, c'est censé être Bosmer. Ouais, je pensais totalement comme toi. Mmh. Toronor. Mais... Non, Bosmer, c'est les elfes des bois. Ouais. C'est Dunmer, les elfes noirs. Ouais. Twemer. Oui, bah c'est un Dunmer, ça. Ouais, ça, c'est pas un Bosmer. Il m'a l'air bien blanc quand même pour un elfe noir. Il y en a qui ont la peau grise, mec. Ouais. Il a la peau vachement grise. Les Bosmer, ils ont la peau vachement plus orange. Orange marronné, ouais. Ouais. Ça fait mal les yeux. Ah, mais les yeux, c'est peut-être par rapport à un mode que j'ai installé aussi. Ça lag, parce que les yeux sont vachement brillants. Ouais, mais c'est peut-être le type de Bosmer. Ah, ça, c'est Bosmer, ça. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez à voir? Regardez donc. Je suis désolé pour le lag, hein, je peux rien y faire. Oula! Oula, garçon! Il vend pas mal de trucs, dis-moi. Ouais, il a de l'item. Il a de l'item. Il a même beaucoup d'items. Ouais. Par contre, bizarrement, il a aucun truc qui correspond à un truc elfique. Peut-être que ça irait mieux si je fais un voyage rapide ici. Essaye. J'essaye, mais il faudrait déjà que j'accède stable là.
Là, c'est très instable. Ouais. Là, on est à 0 image par seconde, ce qui est énorme. Je sais pas si c'est vraiment... T'as aucune image par seconde, quoi, ce que je veux dire. Bon, en fait, c'est sûrement que t'as 0,4, un truc dans le genre, quoi. Oui, mais c'est vraiment immonde. Et je peux même pas accéder au menu, quoi. Ah, ça y est. Limite, ça bug moins dans le menu. Ouais, encore. Ah, ça y est, ça bug plus. Ah, regarde, niveau image. C'est vrai, passé ça de 0 à 30. T'es plus dans le monde. Et ça va revenir, donc... Suspense. Peut-être que ça va relaguer, hein. Ah, 2... Framerate de merde. 16... Non, à mon avis, c'est le bois elfique. Ouais, ça me semble être le bois du lag. Le bois du lag. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. C'est dommage, ça avait l'air bien. Ça avait l'air bien. Ou alors, faut une connexion de port. Ouais, ben je vais quand même essayer de visiter, mais putain, ça, c'est casse-couille, quoi. Bah, je pense pas que ce soit une connexion de port, puisque c'est un jeu hors ligne, donc... Ça veut rien dire, parce que rien que quand on joue sur Xbox, des fois, quand tu joues en ligne, ça te fait laguer sur certaines séquences, et quand tu te mets sans le Xbox Live, tu lagues pas du tout. Ouais, d'accord. Ouais, mais là, il est pas en ligne. Je sais bien, mais bon, des fois... Ah, je sais pas, ou c'était les textures aussi dans les arbres, du coup. Ouais, peut-être. Ça fait un peu lourd, je sais pas. Puis il y a une cascade à côté. Ouais. De texture et tout, alors avec le truc. La fumée, fait. Peut-être. Je sais que la fumée, ça fait souvent laguer. Ouais, dans allez, ce jeu. Quelqu'un. Ah. Oh, l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un? Là, j'ai rien fait, moi. Sale mauviette. Ça devait plus peut-être... Ah, mais bandit. Un bandit qui t'attaque avec une... C'est la crise, il ne trouve plus d'armes. Oh là. C'est un mouvement, ça aurait été bien de le voir sans lag, mais... Ah, je crois qu'il y a un autre bandit, mais bon, c'est pas trop notre affaire. Il y a bien du monde ici. Ouais, je trouve... Ah, j'ai vu des oreilles d'elfes séchées, c'est ça? Ouais. Ouais, mais ça, en fait... C'est pas des oreilles, c'est des plantes. Voilà, c'est le nom d'une plante. C'est une plante pour moi. Alors, c'est des oreilles de femme bizarre, quand même. Hein. Oui, chez les elfes. Et en fait, ils tuent quand ils ont des cadavres, ils leur coupent les oreilles et ils les font sécher pour les mettre dans des bocaux. Total. Voilà, et après ils les utilisent. Off. Ah, j'aime bien la petite expression off. Ah, c'est vraiment. Que penses-tu de ce scénario off, Gamir? C'est vraiment emmerdant parce qu'on peut rien visiter. C'est abusé. Mais après, ça a l'air assez simpliste, mais c'est un peu sympathique. En fait, il faut avoir un Alienware pour que ça passe. Voilà, c'est ça. En fait, il refuse... Pardon, excusez-moi. En fait, il refuse Sir Purin Vadrouille. Je peux pas bouger. Voilà. C'est magnifique. Ah, ça y est, ça a bougé un peu, mais... Un peu. On a une image. Bon, on va se boire un café, hein, maintenant. Ouais, ouais. Craig, c'est à toi de faire le service. Non, mais là, je crois qu'on va même pas pouvoir visiter ça, quoi. C'est... Ouais, mais bon. C'est limite cet épisode, ce sera pour ça, enfin ce sera pour vous poser une simple et bonne question, est-ce que ça lague autant chez vous? Voilà, c'est ça. François pourra critiquer, hein, parce que... Bah on peut pas vraiment... Ah hein. Non, on voit c'est rien, donc... À moins qu'il y a moyen d'enlever l'affichage de la fumée, mais... Spécularité, non. C'est quoi spécularité? Visibilité lumière. Si je diminue des trucs, tu sais, l'herbe, on s'en fout. Non, l'herbe, justement, ça bouffe. Ouais, enfin, il n'y en a pas beaucoup dans les parages, quoi. Ça m'emmerde d'enlever tout ça, mais... Non, luminosité, on s'en fout. Et là, ça n'a absolument rien changé. Enfin, ça a l'air de laguer moins, mais... Enfin, si ça lague moins, quand même. Ça devient presque visitable. Bien le bonjour. Mais ça lag pas mal quand ça même. Ça lag quand même beaucoup, ouais. Ah, les personnages, je trouve qu'ils sont mal faits. Je peux vous aider? Ouais. Pendant celle-là, en tout cas, j'aime pas. Tu vas voir ta gueule, toi. Ils ont tous des skins de bandits. Ouais. J'aime bien que c'est dans les bois elfiques, mais... Je peux vous aider? J'aurais fait un truc moins cabane, quand même. Je peux vous aider? Un peu plus noble. Je me demande si c'est pas les PNJ qui font bugger en fait. Sûrement, trop de PNJ tuent le PNJ. Ouais, puis je sais pas, ils ont l'air d'être mal programmés parce que tu vois, ils sont en train de rester au milieu du pont
Et ils font rien. Et sur brillance. Donc elle est sous un sort. Bon, très bien. Ouais, il y a pas mal de PNJ. Un bar au milieu des bois, c'est bizarre. Oui. Enfin bon, faut bien qu'ils aient leur truc, quoi. À plus tard. Faut bien qu'ils se saoulent la gueule, y a rien d'autre à faire. Ouais. Oh, une barre. Apparemment, elle chante rien d'après le descriptif du mode parce que ça n'a pas encore été programmé et il faut attendre la mise à jour. Oh putain. C'est impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Ah, ça lag plus, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est peut-être le tambourin qui fait laguer aussi. Je sais pas. Tu sais, tu tues la barde juste pour voir. Vite, c'est revenir. Ouais. En plus, je crois qu'on a fait le tour là. Vite fait, regarde la dernière cabane. Pourquoi ? Laquelle ? Si tu peux. Bah, c'est le cas en face. Je crois que ça me ramène à la forge en fait. Ceci est une ode aux loyaux défenseurs de bord de ciel, les impériaux. Elle chante, mais peut-être qu'elle devrait pas chanter en fait. Putain. Ah, on peut monter par contre. Monte. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont plus, le temps des dictateurs est bientôt révolu. Oui, nous sommes des femmes et on assume. Des femmes. Oui, aussi. Des femmes. Oui, on est des femmes. Tout à fait, je m'appelle Roberta. Bon, Adrien. Pardon. Les ombrages, nos terres reprendront. Oula, 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 oula. C'est quoi ça? Oui, c'est ça qui bug aussi. C'est quoi cette merde? Magnifique. Alors là, les gars, franchement. À mon avis, c'est pour réparer le toit. Regarde sur la. Oh, les... Non, mais c'est le piège, tu regardes pas, tu marches et tu tombes quoi, comme une merde. T'es comme un con et tu meurs. Bon. Je sais tuer la barde si je peux. Bonne idée. Moi je suis pour tuer les bardes. Parce que j'ai l'impression que. Enfin, je sais pas si c'est elle qui fait laguer, mais. À mon avis, c'est elle. Non, tortue. Mais c'est moi. Je ne dors pas. Je me repose. Tortue. C'est mal fait ça. Il y a un pont, il y a un creux entre les deux. Oh putain! C'est de la daube. C'est de la chiasse! C'est de la vie de la merde! Je suis en train de penser à un truc tout con, mais si je fais TCL, ça enlève toutes les collisions. On va tout de suite savoir si ça vient des collisions. Ça vient pas des collisions, ça lague encore un peu. Ouais. T'as vu, j'ai trouvé. Donc c'est pas les collisions. Le Joker. Donc c'est autre chose qui fait bugger. Je peux vous aider? Ta gueule! Au secours! Oh non, on peut pas la tuer! Salope! C'est parce qu'elle chante pas encore, c'est pour ça. Bon bah c'est parti pour un génocide. Oh tu peux tuer personne. Putain c'est quoi ce village de la merde? Bon je me casse. Désinstalle moi cette loupe. Je crois bien que je vais désinstaller ouais. Parce que bon si c'est pour passer Voilà et là ça rame plus. C'est le village qui ferme. Ouais ouais c'est... enfin si ça rame un peu quand même mais... Bah ouais mais bon t'es pas encore. Tant que je m'éloigne quoi. Ça fait partie du village ça. Non ça c'est un mini pont. Ça fait normal qu'il reste comme ça. Pourquoi? Parce que ouais, j'ai enlevé les collisions, donc du coup... Par contre, quand je vais les enlever... Voilà. Ah, sympa. Bon, bah... ça, on va noter ce mode. Pourquoi il y a Jésus à poil? Pourquoi il y a Ressource? Hé, Ressource! Ressource! Eh, viens voir. Ressource, c'était un elfe. Pourquoi il a la gueule verte? Eh, par contre... Par contre, ça pas t'as, vu, t'as pas vu ses couilles? Si. T'as vu ses couilles? Il y a quelque chose là-dessous? Ah, si, 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 remonte-le. Remonte-le, je te jure qu'on voit ses couilles. Merde, je l'ai fait. Ah, il est lâché. Oh, ma J'ai vu quelque chose. J'ai vu aussi une paire de burnes. Perso, j'ai cru voir quelque chose, mais j'étais pas sûr. Eh bah, moi je te le dis, j'ai vu une paire de burnes. On a perdu le mort. Oh merde. T'as perdu le mort. Il est où le mort? C'était des ours par terre. Ours. C'était des ours. Moi j'ai vu une paire de couilles. Je sais pas où est le cadavre. Je suis désolé. Cherche un caillou peut-être.
Je sais pas. Super, t'as perdu le cadavre où on voit des couilles. Non mais franchement, c'est intolérable. Putain, retrouve-moi ce mort. Je sais pas où il est. C'est le seul truc intéressant qu'on ait vu dans cette vidéo. C'est le seul truc intéressant. Tu vas retrouver ce macabé ou non? C'est une honte, c'est un scandale. Allez, tu vas m'en dépioter un autre là. Hop hop hop. Il aura les couilles tellement lourdes qu'il a réussi à rentrer sous terre. Il s'est enterré tout seul. C'est comme dans Van Wilder, tu sais, avec le Kleps. Faut-il a des couilles, on dirait des melons. C'est pas pratique. Il y avait un cadavre. Il y a Ragnar, il a des couilles. Des ah poil, ah poil. Non, y a rien. Non, c'est que t'as mal vu, j'ai pas pu voir. L'autre, il en avait. Hein. L'autre, il en avait. Il en avait une sacrée paire, je dirais. Bah écoutez, vous mettrez sur pause si ça vous intéresse. C'est qu'il est dans le noir, c'est pour ça qu'il est noir, on voit pas. Ah, ah. Ah. On dirait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, hein. Ça me paraît bizarre qu'ils aient... Ouais, j'ai entendu. Ça me paraît bizarre qu'ils aient modélisé ça, quand même. Eh, hey, non, mais attends. Eh, hey, je te jure que j'ai vu un truc sur moi l'autre. Moi aussi, il faudra mettre pause, hein. On dirait qu'il y a quelque chose, ouais. Ouais, hein. On dirait effectivement qu'il y a quelque chose. Le mec, en fait, ils font ça au lieu de tester une note. Ça se voit qu'on s'en met. Voilà, j'avais une flèche. Bon, il faut donner une note à ce mode, en attendant, au lieu de parler de... Allez, 4. Et bah, vu qu'il fait la gueule... Moi, vu qu'il fait la gueule, je dirais c'est mal conçu. Ouais, 4. 3. Mais 4 pour le décor, quand même. Graphiquement, c'est juste des cabanes dans les arbres, y'a rien de... Oh, c'est quand même pas... Bah, c'est bien foutu, mais après, c'est... Pour des bois elfiques, je trouve ça personnel. Mais c'est vraiment d'artistique, c'est des cabanes. J'aurais appelé ça le bois des bandits. À la rigueur, ça aurait été le bois des bandits. J'aurais trouvé ça super. En fait, c'est censé être un village elfique dans les bois. Ouais, pas naze. Et le problème, c'est que il y a pas mal de trucs incohérents. Par exemple, cet escalier qui mène à rien. Ouais. Et qu'on se retrouve dans le vide. Alors, vous imaginez, j'aurais couru là comme ça bêtement. Je serais tombé comme une merde. D'ailleurs. Non, c'est s'il vous plaît. Ou alors les escaliers vont pas descendre, vu que le bâtiment qui est à côté est trop bas, du coup on peut passer dessous. C'est embêtant. Ouais, non, énormément d'incohérence. Des elfes en tenue de bandit, moi je sais pas, j'aurais fait un truc beaucoup plus classieux, quoi. Un truc... On va dire que c'est pas les freins qui manquent. Ouais, voilà, ouais. Même de base dans le jeu. C'est... Quitte à les mettre pas en tenue de bandit, mais genre en vêtements assez princiers ou une connerie comme ça. Quand tu t'imagines les bois elfiques, village et tout, bon bah tu t'imagines un petit truc classe. Là, c'est même pas le cas. Les screens donnaient bien en tout cas. Ils se sont bien amusés à faire des screens exprès pour attirer l'œil, encore une fois. Ouais, ouais. Mais ouais, pareil, 4 sur 10. Moi, je suis déjà plus méchant, 3. 3 sur 10. Et encore, si je suis généreux. De toute façon, il y a un bug quelque part, vu que ça lagait tellement que... Champagne, t'as mis combien toi déjà? 4. 4. Bon bah voilà, hein, écoutez, on va s'arrêter là, après ouais. Avoir visité un village et puis essayer de regarder les couilles de deux mecs. Ils sont d'ailleurs très bien modélisés, voilà, vous verrez. Mesdames, n'hésitez pas à regarder, ça vous fera plaisir. Voilà. On vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain épisode de Sir Purin Vadrouille. Allez, salut, salut, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ciao.